Oh, il y a une grotte ici. Ah non, c'est pas une grotte en fait. Ce n'est point une grotte. Allez. Allez, mon Link. À la base, j'étais pas du tout attiré par le concept, mais au final, on en a eu une bonne vingtaine. Ah ouais, quand même. C'est adorable, mais ça vit pas longtemps. C'est vrai, ça, ouais. Ça, je suis au courant que, ouais. Allez, Ro, forcément. Bon. Faut pas trop s'y attacher, même si bah, t'as pas le choix, quoi. Enfin, tu fais pas exprès de t'attacher. Ok, eh ben let's go. Le pouvoir du vent. Ah. Ok, bah écoutez. Ouais, ça fait tourner. Attends, ça c'est quoi? Ah, ça doit faire tourner la structure, à mon avis. Ça peut... Ah ouais, il faut les faire toutes tourner en même temps. J'ai dit chat. Oh. C'est un caractère entre le chat et le chien, ça réclame des câlins, ils peuvent apprendre des tricks. Ah, c'est bien ça. Attends, je comprends pas. Et je bloque des jeux. Ça, je peux pas le tourner. J'ai une idée, je peux... Attends. Parce que l'idée peut être la bonne solution, donc... avant, je cherche et après... Et après, tu pourras soumettre ton idée. Je sais qu'elle est fausse. Bah vas-y div. Vas-y. Mais comment je pourrais faire là? Bah attends. Je dois être bête, hein. Je dois être bête. Attends, mais ici, c'est quoi? C'est la fin du sanctuaire, ici? Ah oui, d'accord. Ok, mais c'est ultra court. Bah, la vache, qu'est-ce que c'est de ce... On peut faire tourner le gros truc. Bah... Ouais, mais tout doucement. Avec les ventilos. Oui, bah oui. Bah attends, déjà je vais faire un truc. Hop, je vais récupérer le coffre. Voilà. Comme ça j'aurai plus le détecteur qui m'embête. Oh, l'arc est pas si mal. Mais... Ouais. Pff, à la limite... pour que... Ouais, je vais virer lui. Moi je sais... On peut pas les faire tourner. Ah. On peut faire ça.
Ah, par contre, on peut coller. On peut coller. Ouais. Oula. Attends, j'ai peut-être une idée. J'ai peut-être une idée là. Est-ce que... si je colle ça comme ça... Ah, c'est ça. Ok. Ok, c'est bon, je l'ai. Je l'ai. Ah, je m'en doutais que c'était un truc comme ça. Attends. Ouais, regardez. Oh non! Putain, ça a failli marcher. Attendez, ouais. Salut Melon, comment ça va? Attends, je vais les désactiver. Ok, c'est bien ça. Juste l'huile. Je l'ai mal mis. On va le mettre comme ça. Comme ça, ils sont placés de façon à ce que... ouais. À ce que ça tourne en même temps. Allez. Ah, ça marche pas vraiment là. Ouvre-toi, Sésame. Oh. Ah, en fait, il faut peut-être pas les placer comme ça. Ok, je pense qu'il faut que je les rapproche. Regardez. Faut les rapprocher. Il faut faire un truc du genre... du genre comme ça. Bah, lui, il veut même pas tourner. Bah, attends, quoi? Ça tournait avec... un. Ah, mais attends. Attends. Si je le mets là, juste là. Ah, ça tourne. Ok, il faut pas les placer sur les structures rectangulaires. J'ai l'impression en tout cas. Là, on est pas mal, hein. On est pas mal, ça tourne assez vite. En fait, il faudrait que ça tourne de plus en plus vite. Faut que tout soit au vert. Putain, c'est chaud. Ah, c'est chaud cette histoire. Ouais. Ouais, alors, vous savez quoi? Ce qu'on va faire, c'est que lui... je vais le mettre comme ça et je vais le mettre de façon... ok. Ah, dis-moi que c'est bon, là. Ah oui, regardez. Ah, quoique... ah, c'est dommage. Ou peut-être qu'il faut les coller. Putain. Je vais essayer. Je vais essayer de les coller. Genre faire ça. Voilà, ça tourne vraiment vite pour le coup. Ouais. Putain, ça se joue à pas grand chose. Ça se joue à pas grand chose. Je vais peut-être les réespacer un peu plus. Genre, je mets ça là. Ah, mais attends. Ah, mais non, mais... mais il faut que je les mette comme ça. Mais je suis con. Mais oui. Bah oui. Bah. C'est bon. Voilà. Aïe. Eh, vraiment, c'est pas facile. Bonne douche, Elia, vas-y. C'était quoi ton autre idée du coup, Anto?
T'avais pensé à ce que j'ai fait ou encore autre chose? Bon! Très bien. Très très bien. Alors, donc allons-y au relais. Et on va faire le puits hein, environnant du relais. Go, go, go. Oh! Rise up! Merci pour ton raid! Merci beaucoup! Bienvenue à tous, comment allez-vous? Comment s'est passé ton live? T'étais sur Mario Kart? Salut bouclier de Daruk! Salut Popov! Salut Espada et Rise up en lui-même, enfin, en la personne. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un très très bon live. Vous avez fait quoi de beau du coup? Des lounges? Ok. Vas-y, un petit shout-out pour le Raise Up. Raise Up, alias Romy, hein, qui est un joueur de Mario Kart, évidemment, qui fait du lounge, qui fait parfois des niveaux sur Mario Maker 2 qui rendent fou, évidemment. Voilà, vous connaissez le personnage. Hein. Très sympathique au demeurant. Voilà. N'hésitez pas à check ce qu'il fait de... Voilà. Donc 3 lounges, j'ai fait plus 500 MMR bientôt le Saphir 1. Ah ouais, non mais d'accord, 10 000 bientôt. Ouais, non mais ok. Quand même... va me rattraper, hein. Mais tant mieux, tant mieux. Très très bien. Bien joué à toi. Bien joué. Bah du coup là pour les arrivants, on est sur du Zelda. On fait du Zelda tranquillement là. What? Ce coffre est incrusté. D'accord. Et si jamais il y en a qui sont intéressés, on fera le petit tournoi du Lundicos à 18h30. Donc à peu près dans 1h30. Voilà. Le petit tournoi hebdomadaire. Ah voilà, je peux créer des blocs de glace. Ah, quand tu réussis mon niveau de la dernière fois. T'inquiète, je prendrai ma revanche un de ces jours. Mais oh. Ah oui, le coffre, ok. Mais comme je crois que c'est Anto qui te l'avait dit, je sais plus. Mais du coup, quand t'as fait ton SQ là, c'était quand? C'était samedi, je crois. Bah, je suis allé jusqu'au canon. Jusqu'au canon où il y avait des boulets de canon, quoi. Mais je pense que j'aurais pu aller plus loin, juste, bah, j'avais envie de m'arrêter. Mais au niveau de mes capacités, je pense que j'aurais pu le faire. Voilà ce qu'il en est. Bah alors attends, j'ai tout récupéré, je sais même plus. Parce qu'il y avait un coffre qui s'est déca... Ah oui, il est là le coffre. Il est là. T'as pratiquement le checkpoint de... Ouais. Mais j'essaierai d'en refaire du Mario Maker. Après, si jamais je fais pas en live, ça sera peut-être vite fait sur Discord. Qui sait? Ou peut-être en vidéo YouTube. Je verrai bien. Bouclier royal. Ça m'intéresse par contre. Ah oui. Hop là. Bon. Mais j'en ai pas fini avec toi. Sache-le. Et bah je sais que c'est réciproque, hein, malheureusement t'en as pas fini avec moi. Bah super. Hein. Super, hein, je t'ai rien fait pourtant. Hein. Oh, il y a un sanctuaire là-bas. On va le noter.
Ah bah en fait, non, je l'ai déjà noté, my bad. Ok. Bon, explorons le relais un petit peu. Hop. Des flèches en bois, je dis pas non. Oh, il y a un balai. Est-ce que je l'ai en photo, le balai? Le balai, ouais, je l'ai. Saint de corps et d'esprit. Ça va, toi? Alors, un ordre de Zelda. Bah alors. Bonsoir, voyageur. La princesse Zelda nous a demandé de sortir au grand air pour faire travailler notre corps de concert avec notre tête. L'idée, c'est d'entretenir un esprit sain dans un corps sain, si j'ai bien compris. Forcément. Il est temps pour vous d'aller sur le terrain en ne portant qu'un pagne. C'est mot pour Bodo, mot ce qu'elle a dit, et donc me voilà en train de m'entraîner en sous-vêtements. Oh. Cela te dirait-il de te joindre à nous? Crois-le ou non, ce n'est pas désagréable de s'entraîner en sous-vêtements. Ouais? Et que veux-tu que je fasse en sous-vêtements? Un peu bizarre, mais bon. Ils sont tranquillous, hein, ici. Regardez-moi ça. Ah bah, GL Anto. GL à toi. T'as repris TTC depuis hier, j'y pense? Ou c'est vraiment ta reprise? En slip. C'est sûr qu'en slip. En slip, on est peut-être plus à l'aise. Alors. Hop, un petit point. Mais par contre, non, c'est bon. Ah. Domaine Zora. Une étrange vase dégouline sur le domaine depuis le ciel. C'est ce qui se dit en tout cas. Domaine Zora se trouve au sud-est d'ici, un peu isolé à l'écart. Si les rumeurs sont vraies, il est possible que cette vase finisse aussi par nous tomber dessus. Ah, j'ai l'impression qu'il parle de ça. Ouais, ouais. On en était où, du coup? Ah oui, Monsieur Penn. On va pas lui faire trop de peine. On va lui faire sa quête. Alors, tu as vu les hommes... Mais qu'est-ce qu'ils ont avec les hommes en sous-vêtements? Mais c'est... calmez-vous. Une personne de confiance m'a dit que ce sont des membres du groupe d'archéologie Sonao. Et que c'est la princesse Zelda qui leur a demandé de se vêtir ainsi. Avant, on croisait toujours des tas de voyageurs en route vers le village Goron par ici. Mais depuis qu'une nouvelle route a été ouverte, il y a moins de passages et les monstres ont pris leurs aises. Se balader dans le coin, dans un coin pareil en sous-vêtements, c'est une sacrée prise de risque, je n'arrête pas de le répéter. Non, Azou, je crois qu'elle disait re parce que je viens de revenir. il semble même que certains aient jugé bon de partir en inspection avec le ventre et les pattes à l'air. Ils ont dit qu'ils voulaient aller voir un repère de monstres qui se trouve un peu plus loin sur ce sentier. Depuis, aucune nouvelle. Ouais, rattrape-toi en tôt, hein, surtout. Rattrape-toi. Hein. Moi, je dis qu'il y a anguille sur roche. Ça pourrait valoir le coup d'enquêter. Bon, pour l'amour de la princesse. Ok, on fera ça après. Ah, et lui, il en peut plus. Hein. Il est au bout de sa vie. Un pagne. Ouais, ok. Il y a un trésor par là. Hein. Il y a un trésor. Trésor par là. Par contre, je peux aller par là aussi. Ouais, bah je suis entêté, moi. Je peux pas tout suivre. Bah après, Azou aussi. Hein. Elle fait peut-être sa mousse au chocolat. Hein. Attends, ça mène où ça? Oh! Il y a un chien. Bas de chien, il y a un chien. Il y a un dog! Il y a un dog! Faut peut-être lui donner une pomme. Ah bah, il commence déjà à manger des pommes.
Attendez, attendez, attendez. Oh, mais il y a une grotte ici. Il y a une grotte ici, c'est beau. Je pense que je vais aller faire une petite sieste. Ah. Bah vas-y, à ton aise. Fais beaucoup des petites siestes. Ah, Uglou, ouais. Ouais, Uglou. Comment ça va? Salut. Comment il va, notre cher Uglou? Si t'as un truc... Enfin... Si jamais pour... tu me demandes pour 21h, je suis dispo. Hein. Je serai là. Oh, il y a un indicos... Ouais, ouais, ouais. Il y a l'indicos... à 18h30, dans une heure à peu près. Oh, Uglou qui va venir? Jure. Peut-être. Bah alors, qu'est-ce qu'il veut, le petit chien? Ah, mais il y a une quête ici. Ah. Mais qu'est-ce que... Halte là. Ah, attendez, il y a un truc à faire. Mais c'est des jumeaux, ça? Ce sont des jumeaux. Maybe, c'est pas sûr encore. Ouais, non, mais comme tu... comme. Mais surtout que t'es en période de partiel, là. Il me semble. J'avais vu... J'ai check. C'est notre grotte ici, on l'a trouvé les premiers. Pas entrer sans permission. Non mais... on n'en peut plus. Qu'est-ce que tu nous veux, toi? Attends, tu serais pas à la recherche du trésor de Lambda par hasard? Mais enfin, tu vas la fermer, Prisen. Ne lui dis rien. Désolé, frangin. J'aurais pas dû évoquer le trésor de Lambda. Va pas t'imaginer pas que tu vas pouvoir tout rafler sous notre nez. Attends, il y a un pot de trop là, non? Va pas t'imaginer pas que tu vas pouvoir tout rafler sous notre nez. Bizarre la tournure. Ça m'étonnerait qu'il trouve le trésor de Lambda parmi tous ces coffres, il y en a beaucoup trop. Comment ça? Alors, je vois déjà la différence avec ce que tu m'as dit de l'aiguille au début du lap. Ah, ça me fait plaisir. Fais-le, j'avais fait ton mi en plus pour un prochain indicos. Et oui, il me semble que j'avais vu un mi qui te ressemblait, Uglou. Ouais, c'était peut-être melon. C'était peut-être ben melon. Bah alors. De toute façon, même nous, on trouve rien. Alors un amateur comme toi, il te faudrait un flair de fin limier pour débusquer le trésor au milieu de tout ça. Oh, mais oui, frangin, on pourrait filer à manger à un chien pour qu'on devienne copain et il nous trouverait le trésor. Ah bah c'est justement ce que je fais, tiens. Tu veux bien être sérieux 2 minutes, Prisen? On a un vrai problème, là. Désolé, frangin. Ah, mais en fait, ces deux-là... Ok. Ah, mais attends, du coup... Le chien, il va nous emmener au trésor. C'est énorme. Ah bah là, il y a déjà un coffre de débusqué. Oh, c'est pas mal, ça, tiens. Vous saurez sur le moment si je fais le tournoi ou pas. Bah oui, c'est sûr. Ah. Oula. C'est beaucoup quand même, ça. Ah oui, d'accord. Ah bah c'est celui-là. C'est celui-là. Ouais. Enfin je crois hein. Oh nice, excellent. Bah en tout cas Uglou, t'arrives presque au bout de tout ça. Après tu vas bien bien pouvoir t'investir à nouveau dans MK tout seul, parce que bon, on compte sur toi aussi. <T'sais>... Mais c'est vrai. T'étais un peu en mode de repos, hein, mais normal aussi. Même si bon,
T'assures aussi niveau staff et tout ça. Hein. Hâte d'être en juillet. Ouais, bah j'ai hâte pour toi aussi. Hein. Dites donc, toi. Bah, qu'est-ce qui se passe? J'ai juste suivi le chien. Si c'était au Lindico, c'était pas moi, car je l'ai fait il y a 2 jours. Ah! Ah, mais c'est peut-être un autre truc. Je sais plus. Bah voilà. Premier arrivé, premier servi. Bon, bah excusez-moi, hein, ça fait déjà que 2 fois que je dérobe leur trésor. Mais bon. Pose-toi de là, je vais m'en assurer. Il reste un trésor là-dedans. Oh, mais oui! Comment ça? Qu'est-ce que c'est? Une vieille bouteille. Oh! Bah alors, il se passe quelque chose? Y a plus rien ici, Prisen. On se tire, allons trouver une autre grotte. Ouais, bah. Dans cette bouteille, y a un petit truc. Et ça m'intéresse. Une quête qui emmène vers une autre. Ça, j'aime bien. Oh, d'ailleurs, il y a quelque chose derrière. Oh, regardez-moi ça derrière. Toi qui as trouvé ceci, sache que le pantalon du brasier n'est qu'une partie de mon trésor. J'ai déniché toutes sortes d'équipements en parcourant ce vaste monde et les ai cachés aux quatre coins d'Hyrule. Je suis trouvé cet endroit et cela mérite bien un indice. Voilà comment mettre la main sur l'espadon du dieu démon. Waouh! Reviens en ce lieu sous l'apparence du dieu démon. Ses atours sont dissimulés dans 3 cachettes. Une pièce en haut de la citadelle rouge d'Akala, l'œil rouge d'un crâne et un arbre millénaire de la plaine d'Hyrule. Lambda le voleur. Très intéressant. Très intéressant tout ça. Et dans tout ça, il n'y a rien, on est d'accord. Ok. C'est que des rubis verts. Bah après, c'est déjà bien. Ce sont que des rubis verts. Ouais. Attends, du coup, que m'indique la mission? D'accord, ok. Sous l'apparence du dieu démon. Mais du coup, le dieu démon. Est-ce que j'ai récupéré une tenue comme ça, moi? Tunique noire. Capuche des ténèbres. Ouais, mais non. Le dieu démon. Bon, je verrai plus tard. Je verrai plus tard. Moi, je récupère mes rubis. Voilà, incroyable. Ok, bon, on est bien comme ça. Ah oui, mais attends. Attends, j'ai pas fini, moi. Du coup, ici. Et je peux rien faire ici. Il y a même des orques accro incrustés comme ça. Ouais, c'est que des rubis. Ce sont que des rubis. Est-ce que je pourrais pas. Ouais, je peux pas aller là. À mon avis, il doit y avoir l'Élusis. Mais comme il nous faut. Comment? Faire la quête. On peut pas. Ok, bon, on verra plus tard. On verra plus tard du coup. À moins que. Ah! Bah attendez. Bah, je crois que j'ai trouvé. Il est là. Voilà, monsieur. Ok, on a 6 cristaux d'Élusis, c'est très bien. Ah, tiens, j'avais oublié un truc, la tenue des esprits. Ça me fait rappeler. J'ai toutes les tenues des esprits, là. Je vais les mettre par. Ouais, par ensemble, voilà. Voilà, par ensemble, c'est bien mieux. Oh, on est trop stylé comme ça. Oh!
Et du coup, c'est... Attends, 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 attends. Ouais, on subit pas de dégâts, mais on perd des rubis à la place. Tiens, on va rester comme ça. On va rester comme ça un petit peu. On enchaîne. Oh! Coucou. Je crois que je vois à quel lieu les vieux parchemins font référence. Ouais, c'est sûr, on n'est pas loin. Ouais, génial, bien joué, frangin. Attends un peu. Oui, coucou. Non, mais c'est bon, hein. T'imagines pas qu'on va te dire quoi que ce soit au sujet des vieux parchemins du grand voleur lambda. Bah, souvent les parchemins, donc c'est des vieilles cartes, hein, je pense. Ça se trouve dans le ciel. Hein. Je me suis un peu emballé. Commence. Ouais, bon, j'ai déjà résolu les énigmes de toute façon. Elles sont bien trop complexes pour un amateur comme lui. Dis-moi, toi, tu veux entendre les énigmes des vieux parchemins? Je suis là pour ça. Ah oui, sans rubis! T'inquiète, c'est un bon investissement. Si tu trouves le trésor, tu en auras pour bien plus que 100 rubis. Ah! Oh! Alors, bah, on va commencer celle des jumeaux. Écoute bien. Un trésor à nul autre pareil obtenu dans de mystérieuses contrées t'attend à l'intérieur d'un coffre caché. Résous cette énigme ici et l'un des vêtements verts de l'homme fasciné par les fées se retient. L'homme fasciné par les fées? Dans l'ouest de Néclude se dressent deux jumeaux et deux grottes sœurs. Se font face. Merci Lumière pour ton follow. Bienvenue à toi. J'espère que ça va nickel. Lumière, lumière. Dans l'ouest de Néclude se dressent deux jumeaux et deux grottes sœurs se font face. Montre le symbole de la cadette devant l'aîné. La porte du trésor s'ouvrira. Voilà, bonne chance. Bon, je pense que ça doit être les monts Géminés, mais les grottes sœurs, je vois pas du tout. Il doit y avoir des grottes Géminées. Je sais pas, je les ai pas encore vues. Sois pas jaloux, ouais. Ok. Donc, trésor de lambda, les jumeaux. Après, c'est pas fini, hein. Je veux entendre la suite. Ah ouais, mais d'accord, ok. Bah, celle des pirates. Enfin, j'ai l'impression qu'on va voir l'homme comment? La tenue de l'homme qui aime les fées. Je crois que c'est la tenue de Tingle. Au pied du cap Tubor, qui s'avance sur la mer de Nekludos, se trouve une grotte abandonnée par les pirates. Joue de tes lèvres une note et la porte vers le trésor s'ouvrira. Ah, il faut siffler. D'accord. Ok. Et enfin... hop, on va redépenser les 100 rubis. Non, mais merde, je me suis trompé. Entendre la suite, oui, je veux bien. Alors, un trésor à nul autre pareil obtenu dans... Ouais, on sait. Donc, le désert compte 8 héroïnes. Ah oui, et ça, on le sait. Dans la profonde vallée creusée dans les hauteurs de Matit se dresse la huitième. Baigne cette dernière de lumière et la porte vers le trésor s'ouvrira. De lumière? Baigne. Ok. Peut-être qu'il faut l'éclairer. Ok, ok. Eh ben, ouais, c'est intéressant. Très intéressant. Eh ben, ma foi, merci. Bon. Eh ben, il y aura des choses à faire, hein, forcément. Oh, il y a un Korogu ici, on va y aller. Petit Korogu. Bon. Vite! Ça va être juste quand même. Hein.
Oh, ça va être juste. Ça va être juste cette histoire. Allez! Allez, mon Link! C'est bon, ça va le faire. Voilà. Voilà. Très très bien. Alors ensuite, bon bah revenons là-bas là où on était évidemment. Ah mais attends. Ah bah voilà, je peux revenir comme ça. Regardez, en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est regarder tout simplement la carte pour voir où j'ai pied. J'ai envie de voir bah, à droite justement. Il y a peut-être des choses à voir, encore une fois. Soyons curieux un petit peu. Alors, c'est pas contre vous, mais il me faut un peu de bouffe. Voilà. Je vois ce que je veux. Je vois ce que tu veux dire pour la figure sur l'aiguille en fin de lap. Ah! Bah, en vrai, ouais, Anto, de toute façon. Alors, je pense que je fais pas exactement comme le double R, mais si tu regardes mon fantôme, je pense que ça pourrait bien t'aider. J'arrive à le faire, mais je suis directement trop large pour faire le MT. Ouais. En soi, essaie de faire. Genre, tu vois, tu fais le hop pour aller vers l'aiguille et directement. Bah, tu t'inclines ton stick. En dérapant vers la... Enfin, en dérapant à droite, mais vers la gauche, quoi. Enfin, direct à l'atterrissage de l'aiguille, peut-être qu'il faudrait que tu te laisses déraper, quoi. Après, je sais pas, mais bon. Je sais pas ce que ça pourrait donner. Casque... Ah, casse-pierre, c'est bien, ça. Enfin, c'est bien. Vu les armes que j'ai, Ah, en vrai, vas-y. Ok. Si je fais infiltration ici... Ok. Bon. Attends, on est stylé comme ça. On est vraiment stylé, je trouve. Bon. Je regarde s'il n'y a pas des îles au-dessus de moi. Je regarde, je regarde. Il y a un Octoro qui... Oh, c'est une grotte, ça? Attendez. Oh, je pense pas. Attendez. Ah, mais quoique. Ah, je saurais pas dire. Ah, mais il y a une grotte là-bas. Oh! Il y a une grotte là-bas. Enfin, là, mais là, ouais, je sais pas. On va voir ce que ça va donner. Bon, du coup, bah... Oh! Oui, on a eu des rubis! Oui, encore des rubis! En fait, je pensais que tu voulais que je fasse la figure sur le cut. Ah, mais... bah en vrai si, je pense qu'il faut faire la figure. Même si je fais pas la figure, et je pense qu'il faut que faut la faire quand même. Après passe comme tu te sens à l'aise, hein. Ok, eh ben écoutez, nouvelle grotte, hein. Bon, le relais ça va attendre un petit peu. Ah putain, il fait chaud. Il fait chaud. Il fait trop chaud pour travailler. Alors, bah on va mettre ça évidemment, et on va mettre, regardez, on va mettre la coiffe du, la coiffe du brasier, voilà, pantalon du brasier aussi. Ah merde, ça brûle, forcément. Y'a plus rien qui brûle, ok c'est bon. Ok, ah mais si, 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 c'est mon arc. Ah ouais. On va prendre ça.
Ok. Ok, ok. Oh là, attention à lui, là. Monsieur, allons, monsieur. Merde, je voulais pas faire ça. Ok, je vais prendre le casse-pierre. C'est très utile. Bon, bah, let's go, hein. Hop là. Ok. On va y arriver. Ah, le casse-pierre va bientôt se briser déjà. Putain. C'est brisé vite. Bon, c'est pas grave, regardez. Lance de voyageur, on va amalgamer avec une pierre. C'est fait pour ça, de toute façon. C'est là pour ça, vraiment, pour le coup. C'est quand même profond, hein. Je veux pas dire, mais bon. Mais what? C'est quoi cette profondeur, là? Attendez, c'est bon. Ah bah non, c'est pas bon. Eh ben... Ah, oh, c'est un magma rock. Un petit rubis brut, je dis pas non. Eh ben, c'est profond ici. Bon, continuons. Vas-y, je vais jeter une bombe. Ah bah non, je peux pas. Je peux pas, ça va exploser instant. Ouais, 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 ouais. Faisons pas l'erreur. Ça va exploser instant. Du coup, il faut reprendre une lance. Hop. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, ça va, il y en a. Lance oxydée. Ah, mais non, mais ça, c'est une arme amalgamée. Bah, je suis obligé de sortir, défaire l'amalgame, du coup. Voilà. C'est un roc, c'est un pic. Hop, voilà. Ok. On peut reprendre nos creusages. Allez. Ah. J'aimerais bien... Ok. Mais what? Oh, tellement rien. Au secours. Oh là là. Je pense qu'il faut aller, faut creuser par là. On va y arriver. Ok. Ah là, ça me fait plaisir. Oh. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a des stèles en plus. Ça doit être un bon trésor, ça. Je l'espère. Attention. C'est tout? Enfin, c'est bien, hein, mais... Je sais pas, je m'attendais à mieux. Bizarre. Je vais remplacer par ça, hein. Voilà. C'est bizarre. Bon, on va utiliser une autre arme. J'ai un maillet lithorock. Hop. Voilà. Attends, ça va bientôt se briser là. Mais quoi? Oh mais attends, je l'ai jamais utilisé. Mais c'est quoi cette blague? Bon. Ah, c'est bon. Oh, melon. Il dépense ses points de chaîne pour le petit 1v1. Ouh. Bah écoute, on se fera ça prochainement, du coup. On se fera ça prochainement.
Attends, mais y avait vraiment rien? C'est bizarre. Hein. De retour pour les 1v1 de plus belle. Yes. Bah écoute, tu es noté. Tu es noté, tu es noté. J'ai pas eu la notif du 1v1. Ah ouais? Bon, ah, il est où les Lusis là? Mais c'est trop bizarre que je l'ai pas vu. Il y a rien à faire. Attends. C'est trop bizarre. Trop bizarre. On va prendre l'espadon rouillé. Ah, attendez, je peux faire un truc. Eh. J'ai des bombes à retardement. Bah voilà. Attends, quoi? Comment ça je peux pas sortir ici? Et re... petit enfant... Enfin, re Ilia. Ok, ça a explosé du coup. Voilà. Ouais, bon, c'est pas fou, mais bon. Je sens désormais bon. Ah, ça c'est bien. Petit enfant. Oh, ça va, ça affective. Ok. On va réamalgamer. Bah, ça du coup. Ah, mais oui, Yunobo, putain, j'y pensais plus à ce con. Il est pas con, hein, ça va, mais. J'y pensais plus. Oh là 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 là. Merci. Hein. Qu'est-ce que je ferais sans toi, Elia? Je sais pas. Putain. Bah oui, bah voilà. Tout va bien. Si tu gagnes le 1v1, tu prends la place de Linkos à la WF. Oula. Bah. À voir, hein. Ah, les Lusis doivent être là. Ah oui, mais il est tellement chiant, Yunobo. Enfin, il est pas chiant, mais... Disons que je vois rien avec lui. Mais c'est vrai. C'est vrai. Ah, oh. Faut que j'y pense, hein, dans les grottes, à utiliser Yunobo. J'y pense tellement jamais, pour le coup. Ah, et le l'Elusis est là. Hop là. Oh non, les gars, non, pas vous, hein. Non, pas le temps. Et voilà. Oula, le cristaux d'Elusis, il va atterrir. Ouais. Tout va bien. On l'a eu. Bon, il y avait rien d'autre dans cette grotte? C'est un peu triste. Il y avait rien d'autre. Oh, c'est pas fou, hein. En tout cas, on a fait beaucoup de grottes de la région d'Ordine. Je sais pas s'il m'en reste encore. Passons. Vers la fin du jeu, je referai un grand tour de tout ça. Hein. Bah, grâce notamment au cerisier qui dévoile l'entrée des grottes. Donc, c'est plutôt pratique. Voilà, on va briser tout. Un petit peu lent, hein, son cooldown. Ok. Ah, attendez, attata. J'ai pas été partout, hein. Regardez ici. On dirait qu'il y a une autre entrée. Ouais, ça sent bon. Il est quelle heure, là? Il est... Ah, 17h35. Putain, ça passe vite, hein. Pop. Bah alors, il y a une... Ah, mais attends, je crois savoir peut-être où l'amener. Peut-être là où il y avait le trésor, non? On va voir. Bon, déjà, il y a un cryo-like. Il y a un magma-like. Tiens. On va prendre ça. Ok.
What? Mais qu'est-ce qu'il a fait le coffre? Mais n'importe quoi. N'importe quoi. Oh, pas mal comme bouclier. Pas mal, mais bon. Ouais, non, je vais le laisser, allez. Ah, il y a un déverseur. Il y a un déverseur. Bon. On va reprendre ça. Il y a un déverseur, du coup, c'est intéressant. Est-ce que à 2v2 à 20h? Nope, on fera le 1v1 habituel en tout. Non, j'ai... Nope. Et après, en plus, j'ai réu avec la WF. Du coup, pas le temps. Alors... C'était juste pour dire. Ah oui, ah ok. Tu veux dire pour informer pas que moi quoi. Ok, ok. Je comprends. J'ai un rendez-vous à toutes. Eh ben, GL Elia. GL pour ton rendez-vous. Enfin, si, faut vraiment te souhaiter bonne chance. Bah, regardez ce qu'on va faire là. Il y a un déverseur. Bah, on va l'amalgamer. Ouais. On va l'amalgamer avec un bouclier. Et voilà. Ah. Ça, c'est bien. Bon, la pierre. Ah, j'avais toujours pas parlé à la pierre. Faut aller, j'imagine, là-bas. Ah oui, mais d'accord, ok. Attends. Putain, je vois rien. Bon, on va y aller petit à petit, du coup. Tranquillou. Ah, regardez, là. Regardez, regardez. Eh, hey. Ouais, du coup, on va mettre ça ici. On va le coller là. Oula, un peu bizarre. On va le coller comme ça. Et on va le mettre là. Hop. Ça va bien se passer. Ok, on fait ça. Non. Oh putain. Ah, c'est là-bas. Ça doit être là-bas. Bah là, ce qu'on va faire du coup, c'est tout simplement ceci. Et bah écoutez, on va hop retourner ceci comme ça. Y aller. Et let's go. Oh putain, attention, attention, attention. Courage Anto, ça va le faire. Ça va le faire. Bon. Bah voilà. Et ben voilà les goûts. Les goûts. Nice. Il était bien caché hein, ce sanctuaire quand même. Il était vraiment bien caché pour le coup. Hop. Et on est parti. Est-ce que ça va être une bénédiction ou pas? On va voir. Tu devais me mettre 0.2 pas plus. Je te collais au cul. Ah. Aïe aïe aïe. C'est très bien. Bah c'est très bien du coup.
Ouais, c'est une bénédiction. Ok. Allez, un bon truc, s'il te plaît. Ah, c'est pas mal. Ah, je dois reconnaître, c'est pas si mal. Allez. On va enlever lui. C'est vraiment pas mal, hein. Ok, ok, ok. Ah, et du coup, on va pouvoir noter le sanctuaire dans les profondeurs. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Ok. Et du coup, voilà. Hop, on saura qu'il y a une racine. Qu'il y a une racine ici. Très bien. Profondeur, on commence à avoir pas mal exploré aussi. Hein. C'est pas mal. Pas mal du tout, tout ça. Satisfait. Satisfait, course. Ok, go. Remonte à la surface. GPB d'une seconde, je suis désormais à 1,58.2. Ça progresse, vas-y, vas-y, melon. Continue comme ça. Encore, t'as encore de la marge, hein. T'as encore une bonne marge d'amélioration. Mais c'est déjà bien. Ah ouais, regardez-moi ça. Ça, c'est vers les auras. J'ai hâte de, d'aller vers les auras. Hein. J'ai hâte. Ok. Bah, ma foi, très bien. On va se retaper au sanctuaire, faire les quêtes des relais. Et bah, je pense qu'on s'arrêtera déjà là, en vrai. Parce qu'il y a le tournoi. Ta-ta-ta-ta. Ok. Donc, bah, allons-y. Hein. Est-ce qu'il y a une quête avec ce personnage? Au pied des toutous. Ah oui, d'accord. Bah alors. Ça, c'est des bons toutous. Allez, venez voir maman. Tiens, un homme vêtu. Ça fait plaisir. Mais qu'est-ce qui... Mais ils regardent quoi les chiens là? Mais what? Oh, c'est bizarre. Ça c'est de bon toutou, hein. Bon toutou, bon toutou. Une bande d'hurluberlus en slip a posé ses bagages au relais du pied de la montagne. Inouï. M'occupe des toutous. Ah mais... Ah oui mais non. Ils sont très doués. Ouais, mais ça, je le sais, hein. Je le sais, je le sais. Merci quand même pour l'astuce. Mais je sais qu'on pouvait faire ça. Oh, 10 flèches en bois, je prends. Plein de flèches en bois, là, hein, ça fait plaisir. Tu as combien de flèches? 147. Ok, on remonte, c'est bien. Je me sens un peu mieux. La 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 na. Donc là il y a Terry. Ok. Là on nous propose de faire un petit remède. Bon, go faire la quête de peine. Go faire la quête de peine du coup. Hop. Oui, oui, oui. Ils ont dit qu'ils voulaient voir un repère de monstres qui se trouve un peu plus loin sur ce sentier. Bah, on va y aller, du coup. Sur ce sentier. Let's go. Un groupe de monstres. Allons-y, allons-y. Allons-y. Bon, pour l'instant, je vois pas de monstres, mais bon. Ah, attendez.
Montagne de la mort, début du sentier, ouais. Élément au niveau supérieur. Ah, il y a un trésor, tu vas me dire, tout en haut? Hein? Attends. Donc ça, on connaît. Quête secondaire, voilà. L'amour de la princesse. Ah, il faut aller là-bas, ok. Ok, ok. Je vais me remettre en... Tenue de soldat avec... Le petit masque Korogu. Vas-y. Ah bah tiens, justement. Je veux rejoindre ton ami. Il est où ton ami? Ah oui, mais monsieur. Monsieur, j'ai un petit peu la flemme. Oh. Ah, après? Ouais. Ma foi, on pourrait presque y aller. Mais vous savez quoi, je vais juste le noter. Ah ouais, non mais c'est bon là. Je te verrai plus tard, petit Korogu. Ça détecte un trésor au niveau supérieur justement. Ah regardez, ouais. Il y a une grotte là. Ah, et il y a des hommes en sous-vêtements. Les fameux sous-vêtements, hein. Tu peux dire, vous pouvez dire aussi en slip, hein. Ça va, c'est pas choquant. Faut pas être choqué pour ça. Alors, il y aurait un trésor ici, peut-être. Ah, un petit coffre ici, bien vu. Ouais, du sonium. Bon. Il y aurait peut-être un trésor là. Mais pas... Ah, attendez. Non. Je le croyais, mais non. Bah, allons-y, hein. Bon, DHC, Anto, je pense que tu peux encore mieux faire. Hein. Je pense. Ouais, hello, Floix. Comment il va, Flo? Attends, mais... Attends un petit peu. Comment ça se fait que t'as pas le badge artiste à côté de ton pseudo, là? Bizarre. Bah. C'est bizarre. Juste malade. Oh, merde. Ah, c'est pas le moment, en plus. Attends, que je règle ça, là. Gestionnaire de rôle. Good question. Comment ça je peux pas ajouter d'artiste? Mais hein? Bah. Ah mais pour l'instant normalement tu y es. Bah, c'est bizarre. Ça en fait ça s'affiche pas. Ça s'affiche pas. Je suis sur Unite. Ça se passe bien tes games sur Unite. Ça rage pas trop. Ok, mais tu rages pas. Tu rages jamais. On sera plus fort ici si on y va ensemble. Je compte jusqu'à 3. T'es prêt? 1, 2, 3. Choc! Non. Bah alors, Jurnéas. Pourquoi t'y vas pas? Et toi, t'as pas bougé non plus, je te le ferai remarquer. Bon allez! N'ayez pas peur de vaincre des monstres en slip, ça va. Oh. C'est comme si on avait peur de sortir en slip en hiver, quoi. On le fait tous les jours. Bon, peut-être pas. Je carie alors que je suis support. Oh, c'est beau. Je suis expert 2, mais je peux monter facile en master. Oh là là. Ah, c'est juste un voyageur, j'ai cru que c'était un monstre. Nous menons actuellement des recherches sur les monstres qui nichent dans cette grotte.
Mais comme tu peux le voir, notre équipement est, comme qui dirait, plutôt minimaliste. Malgré toute notre bonne volonté, nous n'arrivons pas à faire les premiers pas, et les recherches n'avancent pas. Alors, faire travailler notre corps, ok, oui, on le sait, on le sait, on le sait. On n'ose pas déjà s'approcher des monstres avec le meilleur équipement du monde, alors en caleçon, tu penses bien. Bah, je veux bien essayer. Ah, mais du coup, il faut que je les combatte en caleçon? Oh. Ah! Attends, quoi? Tout ton équipement? Oh. Ah oui! Ah oui, d'accord! Bah, à poil, à walpé. Ouais, au fun! Hello, au fun, ça va bien et toi? Pam. Tu m'as même pas dit comment ça allait, mais du coup, j'anticipe. Sait-on jamais? C'est l'habitude. Bon alors, nos petits bras? Nos petits bras. Ah, c'est intéressant pour le coup. Ah ouais, non, mais d'accord, ok. Oh! Mais ça, il devrait le faire plus souvent. Il devrait le faire plus souvent. Tu as deviné ce que je pensais. Et oui, ça pourrait aller mieux, on fait aller. Ah! Bien se passer, va. Bon. Comme un sanctuaire en fait, mais ça se passe dans une grotte. Ok. Très très bien. Ah merde! Ça va aller. Ça va aller. T'as suivi le stream de Flo sur Pokémon? Non, je t'avoue, hier, après le stream, je me suis un peu posé. Bon. Oula. Bah, tu m'auras pas comme ça, toi. Voilà. Un petit arc, ça c'est bien. Oh, il est en pierre, lui. Attendez. Ça va aller. Ok, c'est bon. Ok, parfait. Oh, des flèches en bois, ça on prend. Aïe, monsieur. Non, mais monsieur Nintendo. Il y a des flèches aussi. Gourdin. On va regarder. On va faire là. Ah. T'as donné un petit nom dans son équipe. Trop bien. Bon, j'espère que c'est un Pokémon assez résistant. Même si en vrai, bon. M'en fous au pire. Hop. Combien d'heures de jeu, Linkos? Bah, 120, 125 heures. Ça va, c'est pas grand chose. Ah mais non, mais je veux amalgamer la corne là. Voilà, merci. Ok. Aïe. Oula. Attention. Y'a danger, y'a danger, y'a danger. Ça va bien se passer. Attends, quoi? Ah mais c'est bon. Ok. Attention, attention, hein. Il va me jeter quoi là? Ah non, il prend son bouclier. Mais comment ça? Oh là là. Bon, on a quand même grande lame beaucoup. C'est des pommes ça. Ok. On va en manger un petit peu. Voilà. Et il y a des plats aussi. Il y a ça aussi. Ok, ça va, ça fait du bien.
Ouais, j'ai fait deux temples pour l'instant. J'ai fait celui des Piaf et le temple du feu. Ok, nice. Putain. J'espérais faire un esquive comme ça. Ok, parfait. Ok. Enchaînons-le comme ça. Bon bah voilà. Eh ben voilà. C'était pas dur. D'ailleurs, je me demande. Ah oui, on peut ressortir comme ça d'ailleurs. Mais il faut valider la quête. Et il faut valider la quête. Ah mais attends, l'Elusis. Ah! Ep, 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 ep. Je n'ai pas oublié. Attends, parce que... Vas-y, merci pour ton leurre, Kanto. Merci beaucoup. Tiens. Voilà. C'est bon? T'en penses quoi? Du fait que la cinématique de fin de donjon c'est toujours la même, on change juste de POV selon les sages. J'ai pas trouvé ça fou. Forcément. Ce que j'aurais aimé, c'est une adaptation. En fait, ce que j'aurais aimé, c'est peu importe l'ordre qu'on fait, que ça soit différent quoi. Une cinématique différente et qui évolue et qui nous révèle plus de choses. Mais avec le point de vue du sage en question. Voilà. Ça aurait été bien qu'il... Et je pense que c'était pas compliqué. Mais en fait, le truc, c'est qu'il nous révèle un peu tout d'un coup. Et mais avec le point de vue d'un sage. Mais ouais, je suis d'accord. Mais de toute façon, je ferai une critique du jeu parce que bien qu'il soit très 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 plaisant sur le moment, et ça je m'en cache pas, il y a quand même beaucoup de choses qui auraient pu être améliorées quoi. Je le cache pas. Alberto tente le double vert BMG. Ah, ça c'est bien. Oui, je les ai vaincus. J'ai vu, j'ai vaincu. On te donne une fière chandelle. Oui, bah rends-moi mon équipement déjà. Comme quoi, par exemple, le fait que les îles se répètent, genre, franchement, c'est un petit peu trop facile. Alors, regarde, par exemple, ici, t'as un archipel. Archipel de Céleste de Nécludonor. Tu vois, il y a toujours... ce truc central avec le sanctuaire, le Korogu. Eh ben par exemple, ça se répète ici, quoi. Ça, c'est un peu dommage, je trouve. Je trouve ça un peu dommage. Par contre, il y a un truc que j'aime vraiment énormément. Ce sont les grottes. Pour l'instant, les grottes, très gros coup de cœur. Bien que ce soit un poil répétitif... Elles sont suffisamment variées et il y a des éléments, comment dire, des régions, hein, que ce soit la glace, le feu et tout ça. D'après ce que j'ai vu pour l'instant, c'est tellement bien intégré. Je trouve les grottes, c'est vraiment... j'aime énormément explorer les grottes. Et quand je vois toujours une grotte, en général, je l'explore. Ça, voilà. Ouais, l'ambiance des temples, je suis d'accord que... franchement, l'OST, le design des temples et les boss sont vraiment cool. Par contre, comment on résout les énigmes dans le temple, le fait que ça soit un peu trop accessible, même si le jeu est pensé comme ça, c'est normal, mais... Tu peux faire le temple trop facilement, quoi. Et ils sont assez courts. Ils sont assez courts. Donc, bon. Et je trouve pas les énigmes incroyables des temples, honnêtement.
Ouais, les boss sont assez simples de ce que j'ai fait aussi pour le moment. Mais au moins ils ont une identité. Ils ont une identité. Donc ça va. Ils corrigent certaines choses hein, pour par rapport enfin, les temples. Ils corrigent certaines choses par rapport à Breath of the Wild, mais je trouve ça un petit peu un poil plat. Voilà. Bref. Continuons du coup. Et salut à toi, Linshana. Je vois que tu parles de grottes. Tu es déjà allé dans les grottes qui pleurent. Je pense que oui. Les grottes qui pleurent? Bah, en tout cas, j'ai fait beaucoup de grottes dans Ordine. Grottes qui pleurent, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bah, en tout cas, ça c'est fait. On va aller revoir Pen. J'ai donné des noms WF à mes Pokémon. Oh, trop bien flou. J'irai voir ce que t'as fait du coup. Faudra que je vois. Il y a plein d'eau qui tombe du plafond. Je les appelle comme ça. Ah! Bah, je sais pas. Il faudrait que tu me dises. Bah, genre, il faudrait que je te montre ma carte. Regarde. Là, je te montre ma carte. Et il faudrait que tu me dises si oui ou si non. Peut-être à Ibro, je sais pas parce que il y avait certaines choses avec l'eau, mais bon. Je m'en souviens plus trop, à vrai dire. Je m'en souviens plus trop. La plante à la fin du plafond, je les appelle comme ça. Merde, putain, j'ai lu deux messages en même temps. La plante à la fin du cut au T3, elle me les brise. Ah oui, sur DHC. Ouais, forcément. Je me prive des dessins parce que je veux faire dans l'ordre. Est-ce que c'est vraiment important? En soi. Ah oui, tu veux faire dans l'ordre la à peu près de la quête principale, quoi. C'est ça? En soi, c'est comme tu le sens, hein. C'est comme tu le sens. Par exemple, je suis bloqué car mon prochain est chez les Gerudo, mais c'est dans longtemps, donc je suis bloqué. Ah ouais. Quand tu dis que t'es bloqué, tu veux dire que... Comment? Tu peux pas... T'as pas envie de le faire tout de suite? Et t'es autre part? J'ai pas... Spécialement capté peut-être. J'ai pas envie. Ouais, ok. Bon, bref, me revoilà. Je t'en prie, dis-nous tes secrets pour combattre en sous-vêtements. Ah, à ce sujet. Ah, ça te plaît, Lycia? Oh, calmez-vous. C'est pas si grave. Bah alors à ce sujet, puisse-je savoir pourquoi vous vous êtes tous en sous-vêtements? Bah il fait un petit peu trop chaud quoi, et c'est vrai en plus. Moi avec mon masque Korogu. Elle nous a dit mot pour mot, il est temps pour vous d'aller sur le terrain en ne portant qu'un pagne. Je suis aussi pour faire des recherches sous les ordres de la princesse Zelda, mais elle n'a jamais dit de les faire en ne portant qu'un pagne. Elle a dit que c'était une importante campagne, non? Quoi? Alors on a passé tout ce temps à faire nos recherches en sous-vêtements sur un simple malentendu. C'est sûr que c'est pas commun. Mais ça a du bon de travailler au grand air, non? On a renforcé aussi bien notre corps que notre esprit. Comme le voulait Dame Zelda. Tenue légère, esprit léger, que demander plus? Je propose qu'on retourne à nos postes et qu'on reprenne les recherches en ne lâchant rien de cette légèreté nouvelle. Waouh! Waouh! Je vois. Comme je le supposais, il y avait bien une explication logique derrière tout cela. C'est intéressant de noter de la ténacité avec laquelle ils ont suivi des ordres pourtant absurdes. Décidément, la princesse Zelda a un vrai talent pour convaincre les gens.
Nous avons maintenant fait la lumière sur 5 rumeurs en rapport avec la princesse Zelda. On ne parle plus que toi à la rédaction de la Gazette des Bois. Plein d'avenir. Nice. Bon, allez, une augmentation, là. Ah, 100 rubis, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Faut que ça manque d'un nouveau petit village quand même, genre les profondeurs, etc. Bah, d'après ce que j'ai vu pour l'instant, ouais. Il y a des changements de village. Dans certains villages, il y a eu des petits changements. Il y a fort de guet après à voir si il peut y ne pas y avoir une petite surprise. Mais bon. C'est vrai que j'ai pas forcément entendu qu'il y aurait pour l'instant vraiment des choses incroyables. Pas de nouveau lieu. Donc ouais. Par là, je crois que j'ai fait toutes les quêtes d'Akala. Ouais. Eh ben, on va pouvoir se rediriger... d'Akala. Du relais. On va pouvoir se rediriger vers Akala, justement. Donc, allez. Go, go, go. Ah, attendez. Je vais me... Oh, non, mais attendez. Par contre, c'est juste... trop stylé. Je vais me remettre en mode... où c'est? Coiffe des esprits. D'ailleurs, Linchana, tu voulais voir ce que ça rendait en esprit. Regarde. On est trop beau comme ça. Wouhou! En plus, avec les cheveux, là. Bref, voilà. Bon, je vais rester avec le masque Korogu, même si bon, c'est pas trop esthétique. En vrai, je pense que je vais même le retirer, le masque Korogu, pour l'instant. Tiens, gilet barbare. On va se mettre en mode barbare un petit peu là. Vas-y. Vas-y. Et en bas. Bon, je vais rester comme ça. Non, pas de SQ2V2. Non, 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 Raizop. Nope, j'ai à faire après. Enfin, j'ai le 1v1 du tournoi du gagnant. Et après, ben, j'arrêterai là. Désolé. Désolé. Si ça avait été à 21h, hein. Enfin, quand bien même, tu me diras, j'ai réussi à... avec la WF, donc bon. Bah oui, mais bon. C'est la tradition. Je fais toujours le 1-20 du gagnant. Pour le coup, t'es encore en plus en slow run. Ah oui, non, mais je prends mon temps, hein, Lucas. Hein. Tellement. T'inquiète, je vais trouver. Bon, ah, j'espère. 125 heures, deuxième temple. Ah oui, non, mais... Mais après, bon, franchement, pour le coup, je fais quasi tous les sanctuaires. Je fais pas mal de Korogu sur mon chemin, les grottes et tout ça, les profondeurs aussi. Je t'ai pas montré. Je te montre vite fait pour pas trop te spoil. Hein. Mais voilà. J'ai fait quand même pas mal. Hein. Bref. En plus, en parlant comme ça, bah, forcément, je vais pas avancer. Et vu que je stream, bah, de temps en temps, je reste, comment dire, sur place pour parler, quoi. Allez, go! Il faut regarder mon temps sur DHC. Je verrai, Melon, je verrai. Peut-être. Je te dirai. T'as fait de la coupe forêt Korogu? Yes. Yes, yes, yes. Et j'ai adoré. J'ai adoré tout ce qui s'en est découlé. Et tout ça. Je te laisserai découvrir. Parce que c'est vraiment très, très sympa. Je l'ai fait la semaine dernière. Et du coup, go vers Akala. On va pas tarder à s'arrêter et changer de jeu. Pour faire le petit lindicos après. Go, go, go. Alors, il y a un truc là. Hein. Ah, bah, je croyais qu'il y avait vraiment un truc, mais il n'y a rien. Bon.
déçu. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, ah non, c'est des fruits de gemme. Ah, direction Akala, ça me fait plaisir là. On va vers une nouvelle région. Je vais changer d'arme. Je vais reprendre, hop, voilà. Tu conseilles, faut que je fasse forêt avant un Akala ou l'inverse? Bah, si tu sens que t'as des choses importantes à faire à Akala, va à Akala. Sinon, si vraiment tu veux faire beaucoup de choses intéressantes, va à la forêt. Mais dans tous les cas, bon, il y aura des choses intéressantes à faire dans les deux cas. Même si pour le coup, je connais pas Akala dans ce nouveau jeu. Mais voilà. Mais j'ai déjà des quêtes là-bas. J'ai déjà des quêtes liées à Akala. Donc, bah là, je m'y dirige naturellement. Et après, je ferai les auras après tout ça. Je ferai les auras. En plus, le jeu m'a conseillé de faire les auras, même si, bah pour le coup, c'était prévu que je fasse les auras. Et re-Azou, ça a été ta petite sieste? Ok. Attends, il y a un sanctuaire. Attends, est-ce que c'est le même sanctuaire que j'ai noté? Ouais, c'est bien le même, ok. C'est bien le même, c'est bien le même. Et là, on a deux choix. Putain, ça recommence. Ça recommence avec les acheter telle marque de voiture, super. Hein. On va se calmer. On n'est pas là pour ça, hein. Alors, relais du sud de Akala, lac d'Akala. Hmm. Oh, putain, regardez là-bas. Oh là là. Ok. Intéressant. Ah, c'est le capitaine Oz. Putain, oui, il y a le dragon aussi, là. Oh la vache, mais il y a trop de trucs. Putain, il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs d'un coup. Au secours. Salut Todd, comment vas-tu? Hop. Attends, je fais juste un truc avant. Hop. Voilà, ça c'est mérité. Vous ne venez pas ici. Hop. Voilà. Mérité. Hop, on va se calmer quand même. Ouais, vas-y, pars, Aluka, t'as raison, t'inquiète. J'allais le faire. Eh oui, j'étais rapide. Réactif course. Ah, je sais pas où aller. Putain, à gauche ou à droite? Relais d'Akala ou lac d'Akala? Vas-y. Je vais aller au lac d'Akala. Vas-y. Lac. Ok, vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de beau? On ira en relais plus tard. Mais attends. Avant ici, il n'y avait pas de l'eau? Il n'y avait pas de l'eau ici avant? Ancienne caserne d'Akala. Oh! Attends, par contre... Oh, on l'a tellement géré. Oh là 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 là. Quelle humiliation. On va faire ça par contre. Non, monsieur. Voilà, hop là. Vas-y, bise la ligne. À plus tard. Hop. Voilà. Prends ton petit maillet hérissé là. Non mais hé, t'as cru que t'allais faire quoi, hein? T'as cru quoi? Je vais peut-être prendre le maillet hérissé justement. Ok. Ok, ok. Bon alors attendez, ancienne caserne.
D'accord, d'accord. Bon. Je veux bien tenter d'aller dans les profondeurs. Je veux bien tenter. Ça fait peur. Est-ce que j'ai visité les profondeurs par là? Oh, pas du tout, hein. Ah, pas du tout. Ok. Et genre après on s'arrête là. Vas-y. J'ai envie. J'ai envie. On se fera les profondeurs mercredi. Un petit peu. Attention, attention! On voit tellement rien par contre, au secours. Voilà. Ah, il y a un truc que je vais tester du coup. La combinaison Nox, elle est où? Elle est là. Regardez-moi ce beau squelette. C'est beau. Pourquoi je reviens? J'entends la prochaine fois, on se fera les profondeurs. Bon. Ça va en vrai. Je trouve. Ah oui, donc là, il y a une racine. On l'a vu. Vas-y. On va débloquer la racine et on s'arrêtera là. C'est quoi ça? Ah, c'est un... Ouais, ok. Ouais, on va faire ça. Hop. Elle est là-bas, la racine. On va y aller. Qu'est-ce que tu... C'est quoi ça? Lance de voyageur, c'est nul. Enfin, c'est nul. C'est pas si mal, en vrai. Hein. C'est pas si mal, même si bon. J'ai des armes quand même très très fortes. À la limite... Ouais, non. Non, je suis bien comme ça. Ouais, on va faire l'indicos après. Espadon de soldat, ouais. Pas ouf. Mais attends, quoi? Comment ça? Attends, il y a une racine là. Ah! J'avais pas vu! Ah oui, d'accord. Ah oui, j'avais pas revu la racine. Bon, débloquons ça. Débloquons cette racine et on s'arrête ici. Ah, ça dévoile un peu. Nice. Ok. Oh, regardez la grosse racine là-bas. La grosse racine, le grand gros esprit. Oh, regardez ici. Il y a... C'est intéressant. Mais on se fera ça du coup, ouais. On se fera ça demain.